des groupes d'intérêt qui ont beaucoup de pouvoir, que j'ai appelé la grande bourgeoisie, les 1 ou 2% les plus riches, ont une influence très forte sur notre vie politique, sur les décisions qui sont prises. Et la conscience de ces mécanismes puissants de classe, des mécanismes puissants qui existent depuis déjà plus d'un siècle, doit nous amener à prendre des mesures beaucoup plus radicales. Je suis déjà intervenu, chers collègues, dans un débat précédent sur la question de la société de classe dans laquelle nous vivons aujourd'hui et comment l'État n'est pas un instrument neutre au-dessus de la société, mais est lui-même vecteur d'une classe au service desquelles l'État travaille. Ce n'est bon, pas Raoul Debaux qui a inventé ça, hein. C'est une analyse que Karl Marx et que Friedrich Engels ont déjà fait à l'époque, mais que je trouvais vraiment qui était tout à fait pertinente. Et je crois qu'on va aller plus loin dans cette analyse marxiste aujourd'hui en analysant la question complexe qui est par quel mécanisme, la grande bourgeoisie influence directement sur l'État qui a été créé à son image. Je ne vais pas citer des noms parce que c'est le processus de classe qui est intéressant, à mon avis, ici aujourd'hui. Ce n'est pas la question des personnes, c'est la question des mécanismes de classe. Je me permets de citer, justement, sur l'analyse un peu des États démocratiques bourgeois comme on les connaît aujourd'hui, la toute-puissance de la richesse est plus sûre parce qu'elle ne dépend pas des défauts de l'enveloppe politique du capitalisme. C'est-à-dire que la force de nos États démocratiques bourgeois, c'est que quel que soit le personnel qui soit dedans, il y a une stabilité pro-bourgeoise qui est garantie. C'est une petite explication que je rajoute moi-même. Le capital assoit son pouvoir si solidement, si sûrement, que celui-ci ne peut être ébranlé par aucun changement de personne, d'institution ou de parti dans la République démocratique bourgeoise. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ça va être l'idée de dire que même si le personnel politique change, il y reste un ascendant, un contrôle de la classe bourgeoise sur l'État par des mécanismes multiples. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire l'offense, évidemment, de parler sur l'ensemble de ces mécanismes multiples. Je crois que ce n'est pas le propos ici aujourd'hui, mais je vais analyser un seul de ces mécanismes, qui est celui des cabinets. D'abord, les orientations patronales. Donc d'abord, on a le directeur adjoint et chef économiste dans le cabinet de Alexandre de Croo. Lui, carrément, de 2006 en 2014, il était économiste en chef de la FEB. Tout de suite, de la FEB, donc pour ceux qui ne sont pas belges et qui éventuellement nous écouteraient dans nos débats, etc., la FEB, c'est un peu l'organisation patronale belge, du grand patronat belge. Tout de suite, de la FEB, tout de suite, hop, dans le cabinet du Premier ministre. Conseiller au cabinet de Thomas Dermine, qui a commencé évidemment sa carrière chez Louis Michel, parce qu'on passe des libéraux de chez Louis Michel, hop, dans le cabinet de chez Thomas Dermine. Ça ne pose pas un vrai problème d'un point de vue ballon, parce que de toute façon, la politique, c'est gauche, c'est droite, enfin, bon, bref, c'est cabinet, donc ça, tout ça, il n'y a pas de problème. Et a travaillé avant chez Itinera, évidemment, hein, parce que Itinera, donc, qui est un grand think tank de gauche, comme vous savez. Ah, un attaché de M. Clareval n'est pas là. Oh mince, bon, je vais vraiment préparer un truc pour lui spécialement. Dans son cabinet, donc là, on a un spécialiste des portes tournantes. De 2005 à 2013, elle est donc au cabinet de Sabine Laruelle. Elle devient ensuite secrétaire générale de l'UCM, qui est un peu l'union du patronat de la classe moyenne, hein. Puis présidente du Conseil supérieur des indépendants. Puis elle va chez Willy Boursu, chez Une de Carme et chez David Clareval. Elle est passée évidemment chez Kleisen-Engels. Kleisen-Engels, chers collègues, comme vous le savez, un des grands bureaux d'avocats pro-patronaux organisés au niveau mondial. Puis nous avons ici, cabinet de chef Tine van der Straaten, de Groene, dat mag ook wel. Direct gewerkt bij marketingdirecteur bij Handelsfederatie Comeos. Hop, voilà, c'est de Comeos. Hein. Dus voilà, le grand patronat du commerce, quoi, etc. Direct in het kabinet van Groene van der Straaten. Dus dat was allemaal van het direct invloed van de werkgeversorganisatie, van het groot kapitaal. Nu gaan we direct weer de multinationale de l'énergie. Le directeur adjoint du cabinet de madame van der Straaten, qui est passé par BIFA, qui est parti le centre d'études énergie nucléaire SCN-CEN, Enervalis, Stone Fund, Coris, et qui a travaillé aussi entre 2010 et 2014, a été également conseiller, fonds d'investissement conseiller du milliardaire Jeff Colruyt. Iemand anders, dus hier verantwoordelijk is, adjunct directeur voor duurzame energie en die bij Siemens Windpower gewerkt heeft, waar ze CEO was bij Siemens. Een van de grote multinationals, de greenwashing, kapitalisme enzovoort, enzovoort. Beste collega's, er komen nog in het kabinet van de straten van Eneco, er komen nog van Engie, er komen nog van Engie Electrabel. Iedereen is daar een beetje langs geweest, een beetje overal. Ik wil zeggen, en cerise sur le gâteau, en matière de grande bourgeoisie, nous avons le baron Jean-Pierre Hansen, qui est conseiller chez le ministre Georges Quinet,
dans la cellule stratégique. Et donc, je vous fais quand même un tout petit peu quand même le CV de M. Hansen, qui donc nous a travaillé en fait Distrigaz, Fluxis, Arcelor, Socofe, Netis, Banque Nationale, Fabricom, Agbar, Arcelor, CNP, Deleuze, KBC, Ergon Capital, Intégral. Ça, c'est pas mal. Et il travaille dans un cabinet d'un ministre écolo. Hein, voilà. Mais c'est pas de problème. C'est la manière. Moi, je suis grand bourgeois. Je fais comme ça. Je suis bourgeois. Comment j'influence l'État? Ben, je dis, je mets tout de suite les gars à moi dans les cabinets. Comme ça, ils décident là-bas. Et donc, c'est un mécanisme assez intéressant, en fait, de mainmise du capital sur notre État, qui, je vous le rappelle, n'est pas une institution neutre au-dessus des classes, mais fait partie, évidemment, d'un mécanisme d'oppression. Le monde des assurances, chers collègues. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Expert au cabinet Pierre-Yves Darmagne, a été passé successivement par Ackermans & Partners, expertise pour assurance, Delta Lloyd, PNV, travaille pour NCERT, le centre de formation d'Assuralia. Assuralia, je vous rappelle qu'ils sont donc les assurants, les représentants des assurances privées dans le cabinet. C'est vraiment, c'est incroyable. Autre conseil au cabinet Darmagne depuis octobre 2021, compagnie AXA, le monde des sociétés de conseil et d'audit. Ça, nos amis français qui nous écoutent aujourd'hui peut-être en savent quelque chose. Les McKinsey Boys, c'est-à-dire McKinsey qui a une mainmise sur l'État français. Rappelez-vous le scandale de M. Macron qui en fait a sous-traité l'ensemble de sa politique chez McKinsey. Et je me permets, parce que je trouve que c'est un mécanisme intéressant d'un point de vue de comment on privatise même la politique. En dat is gewoon crazy gewoon, want dus wij waren tegen de privatisering van openbare diensten, dus van transport, van energie, van de bankensector en zo. Maar nu, het kapitaal kan nu ook de politiek zelf privatiseren door gewoon het uitbesteden aan privébedrijven. Dat is gewoon crazy. We hebben dat gezien in het Vlaams parlement, ook in de Vlaamse regering, gewoon uitbesteding. En dus, daar zijn speciale grote bedrijven, multinationals, die vandaag meer kennis hebben dan al die regeringen samen. En waar de regering vanaf dat paniek is en met de COVID was direct van, oh, we weten niet wat doen we? Gewoon naar McKinsey. Even bellen, zeggen, wij weten niet meer hoe dat we politiek moeten doen. Hoe doen we dat? Maar koopt het gewoon. Koopt het gewoon, 200.000 euro. Geef je gewoon een beetje... La politique devient une marchandise, c'est quand même fou. Marx n'aurait jamais pu s'imaginer que ça devient une marchandise, donc une force de travail concentrée qui est vendue sur le marché. Tu veux de la politique, je t'en donne. Combien de kilos de politique tu veux? Je te le vends. Je te le vends, mais il n'y a pas de problème. Et donc McKinsey, alors là on est parti. D'abord, évidemment, vous avez le secrétaire d'État lui-même, socialiste, Dermine, qui vient évidemment de McKinsey, mais alors dans son cabinet, qui vient de chez McKinsey, nous avons un autre conseiller chez M. Dermine, 12 ans chez McKinsey, après avoir été conseiller à la Commission européenne pour un certain président José Manuel Barroso, qui est évidemment un expert en port tournant. Donc lui, il a eu un lumbago, tellement il a tourné dans le... Il tournait sans arrêt, donc il est passé du monde bancaire dans la commission, etc. Donc ça, c'est... Voilà, donc ça continue. Nous avons ici un autre conseiller au cabinet d'Hermine qui lui a été consultant au Boston Consulting Group, après avoir travaillé chez McKinsey. Nous avons un autre consultant spécialisé en santé, lui, hein, qui a travaillé au Boston Consulting Group et puis qui est conseiller au cabinet de Madame De Bloch, qui est ici présente ici aujourd'hui. Puis nous avons le directeur de la cellule de coordination générale politique chez M. Alexandre Nordecroix, qui lui a travaillé pour un ensemble de libéraux, mais qui a surtout travaillé pour la société de conseil Egon Zender, j'espère que je dis bien, Egon Zender, numéro 1 mondial des chasseurs de tête. De grootste multinationals, ik wil zeggen, of headhunting enzovoort, fantastisch, hop, in het kabinet, gewoon, chef de cabinet van Petergem, dus het is een kabinetchef, ik dus geen naam noemen, maar die heeft dus gewerkt voor Van Deurzen, Van Akkeren, De Krem, Peters, Beke, Geens, Muilen en Van Petergem, 9 ministers van de CD&V, maar wat was hem ervoor? Ja, die heeft voor IBM gewerkt ervoor natuurlijk, hè. Dus IBM, een VZW'ke dat jullie allemaal kennen in de wereld. Voilà. En quoi énumérez-vous des personnes qui peuvent être ciblées, puisque vous les appelez non pas par leur nom, mais par leur fonction, en détaillant leur CV? Je ne vois pas du tout comment vous essayez d'induire un potentiel, je ne sais pas, conflit d'intérêts ou autre, ou une idée générale de la composition des cabinets. En quoi est-ce en lien avec le débat sur le code de déontologie? Ceci étant dit, je vous permets de poursuivre. Voilà. Donc j'ai effectivement une présidente d'Assemblée socialiste qui me demande, à moi... Est-ce qu'il y a un lien entre la déontologie et le fait que beaucoup de cabinets ont des liens forts avec le monde des multinationales?
pour moi, comme député marxiste de gauche, j'ai envie de répondre oui, il y a un lien entre ces déontologies. Le premier lien, à mon avis, c'est la transparence. Moi, je pense qu'effectivement, la plupart des membres des cabinets ont un pouvoir fort. Les cabinets sont nu eenmaal in de Belgische politiek, mais ook in ganz Europa, plekken waar er heel veel macht is. Veel meer macht dan in het parlement. Ja, dat voel je toch wel. We doen hier veel dingen, collega, in het parlement, maar als één ding is zeker, is dat wel over niks beslist. Maar die kabinetten beslissen over veel. En dus die kabinetten, de invloed, mevrouw de voorzitter, de invloed van al die multinationals, van het denken goed, ik wil zeggen, hoe dat het besluitvorming gebeurt, is een essentieel oorzaak waarom dat het algemeen belang hier niet verdedigd wordt. De wet gaat naar een goede richting, maar er zijn heel veel mankementen eraan. Wij stellen voor, en we hebben ook amendementen ingediend vandaag, mevrouw de voorzitter, daar rond. Ten eerste stellen wij een afkoelingsperiode in de deontologie van 5 jaar. Vanaf wanneer mag iemand vanuit de privé in een kabinet of naar een kabinet in privé? Ik stel 5 jaar voor. 5 jaar lijkt mij het minimum. Vandaag is dat gewoon, dat is toch niet logisch dat er iemand die de F-35 geonderhandeld heeft, gewoon bij Lockheed Martin gaat werken, ik wil zeggen 2 weken daarna. Ça ne va pas komt terug. Dus wij stellen een amendement voor 5 jaar afkoelingsperiode. Ten tweede is er geen sanctiemechanisme die voorzien is op de inbreuk op de deontologische code. Dat is wat de GRECO ons trouwens vraagt. En ten derde zorgen we ervoor dat een functie binnen een beleidsorgaan onverenigbaar wordt met bepaalde functies, zoals lid van een raad van bestuur van een multinational. Want dat is een probleem natuurlijk bij de VLD. Ja, hoe noemt hem nog weer? De Verhofstadt? Ja, dat is geen probleem voor de Verhofstadt. Die zitten gewoon met multinationals in een raad van bestuur en zo, de Gucht enzovoort ook. Dat gaat niet in de politiek. Dat zijn gewoon echt problemen, mevrouw de voorzitter, dat we moeten kunnen oplossen. Edo. Et donc, chers collègues et tous ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui, je pense qu'une des leçons à tirer, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes qui font que des groupes d'intérêts qui ont beaucoup de pouvoir, que j'ai appelé la grande bourgeoisie, les 1 ou 2% les plus riches, ont une influence très forte sur notre vie politique, sur les décisions qui sont prises. Et la conscience de ces mécanismes puissants de classe, des mécanismes puissants qui existent depuis déjà plus d'un siècle, doit nous amener à prendre des mesures beaucoup plus radicales, des mesures, effectivement, pour moi, qui démocratiquement sont anticapitalistes, parce qu'effectivement, il y a un problème que le 1% dans notre société ont beaucoup trop de pouvoir et décident de l'essentiel des décisions politiques de notre pays. Ik denk ook, en daar sluit ik mij aan bij de voorzitter, dat het echt niet helpt om mensen die we nu allemaal kunnen gaan nagaan wie waar gezeten heeft, wie hoeveel kabinetten al gedaan heeft en bij welke bedrijven gewerkt heeft, dat nodig is voor dit debat. Quand je parle d'externalisation de la politique, c'est qu'il y a une connaissance de la gestion de la question publique qui est multinationalisée. Et donc pour ça, pour moi, c'est pas lié à des individus, justement. Ik vind wel dat op de website van de Kamer zou moeten wel zijn, vind ik, van de zwemmende namen van de leden van de kabinetten. Maar een cv vind ik toch wel het ABC, een beetje op vlak van transparantie, ik wil zeggen, naar de mensen toe. Trouwens, veel journalisten doen dat werk zelf, maar wel de minister. In die zin hebben we echt niet het monopolie van het gaan uitspitten. We kunnen een discussie hebben rond het aantal mensen in de kabinetten. Ik denk dat de kabinetten, wij denken dat de kabinetten geen goed punt zijn voor de democratie. Die samenstelling, hoe gebeurt dat dan? Welke macht geef je eraan? Ik zou het veel beter met administratie werken. Je ne sais pas dans tous les pays qu'il y a des grands cabinets comme ça. Donc voilà, moi je crois que c'est logique d'avoir un peu ce débat ensemble.